One two, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est normalement sur la dernière partie de Evelyn. Merci. Bon, on se retrouve sur ce magnifique siège ou trône, je sais pas comment tu veux appeler ça, mon ref. Alors, est-ce que j'ai réfléchi depuis la dernière fois? Je dirais Fuck la meuf là qui nous dit ouais, est-ce que tu es prêt à te buter pour je sais pas quoi? Ah, c'est bon, frère, m'a pris pour qui là? Elle m'a pris pour qui? Ça veut dire moi là, je vais chrub une poison. Une boisson mortelle et après. Non, frère, c'est pas logique. C'est vraiment pas logique, tu vois. Et comme il a dit, il peut priver son gosse de son père. Même si dans mes souvenirs. Bref, on va pas. Laisse tomber. Je sais plus ce que j'ai fait la dernière fois. Mais la dernière fois, je crois sincèrement que. J'ai bu. Ouais, je te jure. Mais en fait, je sais pas, je pense même ton gosse voudrait pas que tu fasses une dinguerie comme ça quand même. Je sais pas, pourquoi tu reviens? Ça va pas ou quoi? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre une personne voudrait pas que, personne qui t'aime voudrait pas que tu te fasses du mal comme ça. Genre non, tu te tues pour moi jamais, moi je veux que tu restes, nanani. Et bref. Je vais te retrouver, Sean. Ouais. Je vais trouver un autre moyen. Voilà. Et je vais venir te chercher, mon fils. Ça c'est un ragil. Donc moi je dis, tous les jours, la meuf là qui dit, ouais, nanani nanana, tu vas te buter, tu vas faire des trucs et je sais pas quoi, non. Non, non, non. Alors ça va être quoi le moyen? Il va faire des mots croisés, il est trop fort. Vraiment il est trop fort. Hop 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 hop. J'ai jamais vu faire une tête pareille, frère. C'est dingue quand même. Frère, on dirait moi avec la compta, j'en ai marre. Moi et la comptabilité, je suis là avec plein de documents jaunes. Putain, c'est quoi ça, frère? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est des factures d'il y a un an? Mais wesh, qu'est-ce que ça fout là encore? Je trouve pas. C'est moi qui cherche une facture. Où es-tu, Sean? Je la trouve pas! Merde! Où es-tu? La compta elle m'a dit, ouais, mais la facture TVA! Mais frère, c'est quoi ça, facture TVA? Il y en a marre! Oh, le beau gosse, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un enjeu très enjoué? Bref, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire si il vous kiffez le play. Quelques heures pour sauver Sean Mars. Il doit bien y avoir un foutu indice quelque part. Je lis vos commentaires, ça me ferait plaisir. Tout est là, sous mes yeux. Impossible de recoller les morceaux, le gosse va mourir et je suis là à tourner en rond. Il a pas l'air con, hein, non, c'est dingue. Vous avez pas encore fait vos bagages? De quoi est-ce que vous parlez? L'enquête est terminée, le coupable a été identifié. On n'a plus besoin de vos services, Norman. Mais... Vous allez pouvoir ramener tous vos dossiers à Washington. Je mentirais si je disais que je vais vous regretter. Et c'est qui le coupable? L'enquête n'est pas terminée. Vous n'avez absolument rien contre Mars. Mars est coupable. Ah, l'enquête est close. De toute manière, c'est plus votre problème. Vous a retiré l'enquête. Mais alors il est de mèche. Vous allez dégager le plancher immédiatement. Il est de mèche, c'est pas possible. Et Carter, surtout... Vous n'êtes vraiment qu'un putain de sale enfoiré de psychopathe! Vous pouvez penser ce que vous voulez. Franchement, j'en ai rien à foutre. Retrouvez le tueur aux origami. Tout le monde est content. Fin de l'histoire. Ça devrait être ça, votre réponse face au rageux. Bon voyage de retour, Norman. C'est quelqu'un qui vous dit un truc méchant. Tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Hop, 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 hop. Oh non, tu commences à me stresser là, arrête. Hé, hey, qui t'a dit? Mais il a aspiré comme un yop. C'est pas du yop. Le nom du tueur est là, quelque part dans ses données. Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard. Il se dope. Oh, petite randonnée. Un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez.
ça devient dangereux. Ta gueule, l'ancien, ouais, frère. Toi, t'es quoi? T'es barman? Qu'est-ce que tu veux... Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ouais, mais c'est le jeu, ça en gros. Ça serait regrettable, monsieur. Le jeu, il te prévient, en gros. Je pense si tu t'abuses d'un truc. C'est quoi? C'est la tryptose B, là? Ou bien ça vient de Harry? C'est l'un ou l'autre, je sais pas. Moi, je pense que, du coup, parce qu'il y en a, ils pensent que la trypto, c'est... ou plutôt, c'est la trypto, c'est le problème. Et moi, je pense que c'est les deux. Parce que, du coup, les lunettes, ça lui fait des effets secondaires de laisse tomber. Et il se croit, après, même quand il enlève les lunettes, il croit qu'il est encore dans cet endroit, dans la VR, t'as capté? Et du coup, la trypto, je pense, c'est pour baisser... les effets de ça, les effets secondaires, mais du coup c'est addictif, tu vois, c'est comme des médocs, frère, dans la vraie vie, avec des fois, et c'est addictif, frérot, ça veut dire ça va soigner un truc, mais tu peux te retrouver bref en manque de ça, enfin bref, du coup hop 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 hop. Comment ça, nos data, frère? Tu te fous de ma gueule? C'est pas possible. Il faut d'abord l'analyser, peut-être. Hein. De la Chevrolet. Ok, et il y a toujours rien? Ok. J'ai rapté. Et le flingue, là. C'est quoi ce flingue? Quand ils disent flingue. Non, de l'autre côté. Harry était en mode enregistrement pendant que je me battais contre le tueur. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Ça serait pas mal. Ah ouais, les lunettes, elles étaient à part, quoi. On peut faire pause. Ah, mais c'est incroyable. On peut pas faire analyser. Le sabre était dans le bureau de Paco. Rien n'a en tiré sur le tueur. Ah oui, on s'en bat les steaks. C'est après. I think... Attends, fais avance rapide. Attends... Après, encore. End! C'est la fin! On peut pas analyser, là? À ce moment précis. Mais on s'en fout de ça, mon ref. C'est pas possible. Une montre en or. Je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Ben, elle était sur le bureau. Ça veut dire que c'était un flic. Et qui était un flic? Auparavant. La montre qu'on offre pour les promotions des lieutenants. Le tueur est un flic. Où était? On sait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là comme indice? Le chapeau? Ouais, je connais ce chapeau. I know this chapeau. Il va dire, ouais, oh, là, à ce moment-là, je lui donnais une droite. J'ai donné une droite incroyable. Analyse impossible. Hop, 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 je vous dis si je trouve un truc. Tueur au Blue Lagoon. L'arme abandonnée. Il y a peut-être un moyen de découvrir d'où elle provient. Alors, bah, super. Super, c'est très intéressant tout ça. Il faut qu'on trouve ce chien-là. C'était quoi les trucs à gauche? C'est des tickets? Saisi dans une affaire de police il y a 5 ans. Cette arme est toujours censée être dans le séquestre de la police. Qui aurait pu la faire sortir, si ce n'est un flic? Ok, par contre, les règles, là, c'est très chaud, parce que... Tu sais que le frérot, il peut commencer, genre, à... Genre, là, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux si on passe beaucoup de temps ici, je crois. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que ça me fait chier, et que depuis le début du Let's Play, dès qu'on met Harry, eh ben, je suis stressé. C'est quoi deux ça? Deux notes d'essence de la même station. Peut-être qu'elle se trouve près du domicile du tueur. Et je trouve ça triste en vrai. Rien à tirer de ce côté-là.
Le tueur habite dans cette zone. 342 personnes habitent ce secteur. Pas suffisant. Il faut que je trouve un moyen d'identifier le tueur de manière plus précise. Il y a un autre truc encore. Il y a un truc là, ça fait un point d'interrogation. Le tueur serait un flic ? Carter ? Ça expliquerait pourquoi l'enquête n'a pas abouti et pourquoi il cherche à faire accuser Mars ? Putain, c'est une fausse piste. C'est quoi ça ? Continuons l'enquête. Ouais, mais frère, qu'est-ce que tu veux analyser en parlant de drogue ? Putain, mais mon ref, la fleur, là, t'as pas un truc, là, plus précis sur ça ? Je crois que c'est mort, non ? En plus, je crois que ça, c'est des trucs qu'on a déjà analysés auparavant. Ok, impression que rien à en tirer. Y a pas un truc par rapport à l'arme non plus ? Géo-analyse. Ça veut pas dire ouais, on l'a acheté de tel endroit. Je sais pas quoi, super. Ok, ça c'est là où on avait trouvé l'origami. Et ça, je l'ai fait ou pas ça ? Ouais. Mais ça c'est proche de. Du périmètre. Putain, il pleut, enfin y a une tempête. Oh non. Oh non, j'aime pas du tout ça. La carte. Il y a quoi dans la carte ? Ok, ça c'est le périmètre. Dossier. Victime. Merde, mais y a rien à en tirer ici. Oh là là, frère. Et si on enlevait Harry ? Si on enlevait ça ? Continue abandonné. Merde, comment ça abandonné ? Ça veut dire que là, si on enlève... Je pensais qu'on pouvait se balader dans le commissariat après on va poser des questions. Mais non... Putain, il a remis, frère. Il me pose même pas la... Pas de possibilité, là. Oh là là... Le gosse va peut-être mourir, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et là, on n'a rien, frère, sur ça. Qu'est-ce que tu vas dire ? Oh ! Un flic ? Il y a un seul flic dans la zone de géoprofiling. Cette fois, je le tiens. Il est propriétaire d'un hangar sur les docks. Si je me trompe, Sean Mars est mort. Il a les mains qui bougent, qui tremblent. Oh putain. Je préfère vous dire, la dernière fois, je crois que le frérot, il est mort là. Je te jure, il me semble qu'il est mort sur la bleuta. Je me souviens qu'il saignait, frère. Il avait, je crois, une larme de sang ou du sang qui sortait de son nez, l'un ou l'autre, frère, j'en sais rien. Je sais juste que ce n'est pas un bon souvenir pour ma part. Laisse-moi rester avec toi, je veux pas partir. Ça ne durera que quelques jours. Oh, on souffle, hein, on souffle fort. Donc je règle cette histoire. Je peux pas attendre pendant que tu affrontes l'assassin de mon fils. C'est la seule solution, Lorraine. Désolé. Attends quelques jours chez ta mère, et je te rejoindrai quand tout ça sera terminé. Chez ta mère ? Dis-moi qui est le tueur aux origami. Je veux savoir qui a tué mon fils. Ou chez ton père ? Tu connais ton père ? Écoute, je te dirai tout ce que je sais quand ce sera terminé. Ah ouais, c'est ça. Je te le promets. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ça doit être ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hop, 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 hop. Oh, la lamskina, elle est inquiète. On revient au souvenir. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens. Je reviens tout de suite. C'est crucialement crucial.
Hop, 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 hop. Vite, il faut que je trouve du secours. Oui. John va se noyer. John va se noyer. Ah ouais, vite, 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 vite. Allez, vite, 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 vite. Allez, hop là, comme ça. Une, deux. Allez, vite, 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 vite. Un peu comme ça, là. Tu travailles le cardio, là. C'est bien, c'est bien. Allez. Non, vas-y, on va chercher de l'aide. On va chercher de l'aide. C'est par où, c'est par où? Papa, je dois aller chercher papa. C'est le seul à pouvoir sortir John de là. Mais... vite! Mais papa, il s'en bat les couilles. Tiens bon, mon frère. Je vais revenir avec de l'aide. Je vais revenir et on va te sauver. Faut que je trouve quelqu'un. Ouais. L'eau monte rapidement. John va pas tenir longtemps. Il est encore à battre, wesh. Papa, papa, c'est John. Il est tombé dans un puits. Ah, il est en train de se noyer. De là, sale vermine. Il faut paix. Que tu viennes tout de suite. Vite, John va mourir. John va mourir. Eh ben, tant mieux, comme ça, ça fera une bouche de moins à nourrir. Allez, s'il dégage. S'il te plaît, je t'en supplie. John va mourir. John va mourir, t'es papa. Foutre le camp. Allez. Je t'en supplie, t'en supplie, choqué. Papa. Il faut que tu sauves John. J'ai essayé, John. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'a pas voulu venir. Je veux pas que tu meurs, John. S'il te plaît. Mesquine. Ah, ça me fait trop chier, frère. Non. N'oublie pas, Scott. Bah t'inquiète pas qu'il te rend hommage tous les mois, voire toutes les semaines. Maintenant il noie plein de gosses. Ah oui, c'est bizarre hein. C'est bizarre. Mais sérieusement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix. Genre en gros le mec qui enquête sur ses propres meurtres. Et eh ben c'est l'une meurtrière. C'est éclaté un peu, je te jure. Enfin, j'ai l'impression, ils se sont dit, ah, plus c'est gros, plus ça passe, c'est bon. Mais franchement, c'est vrai que ce plot twist à l'ancienne, j'étais surpris. Je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça, tu vois? Je m'attendais pas. Mais je trouve pas ça logique, si tu vois toutes les scènes, pourquoi il aurait manipulé Lorraine? Quoi, ça veut dire qu'il culpabilise quelque part? C'est-à-dire, il fait ces trucs-là, mais pourquoi il fait souffrir plein d'autres gens? Franchement, je comprends pas la logique parce que je te jure que même dans la vraie vie, des fois, des tueurs sont logiques. Je sais pas si tu vois, genre, ils choisissent bien leur cible. Pourquoi ils vont choisir des gosses comme ça? Je comprends pas, frère, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve quand il y a des scénarios comme ça. Brûler les boîtes, les origamis. Mais là, quoi, il fait genre un nouveau départ ou... Tu vois, ça se comprend vraiment pas, tu vois. Et du coup, il a testé. Ah, j'ai capté. Ok, putain, j'ai capté. En fait, il testait l'amour des darons, en fait. Il teste l'amour des darons pour leurs gosses. Je te jure, je crois, à l'ancienne, j'avais pas capté ça. Enfin, quoique, j'avais oublié. Il teste, en gros, il met à chaque fois, il challenge parce que son propre père, il était pas prêt à sauver son gosse. Donc, il dit, est-ce que les autres... Donc, il essaye de se rassurer. Mais il les fait souffrir au final, tu vois. Parce que la plupart, ils échouent. Il leur donne des trucs difficiles. Toi, ton frère était dans un chantier à côté. Toi, tu fais galérer les gens, frère, avec tes bails d'orchidées ou de conneries, là. Et tu les fais noyer sous la pluie. Connard. Non, j'avoue, je retire ce que j'ai dit. C'est logique, c'est logique. Ça le brûlait de faire ça, hein. Ça le brûlait de la tenir celle-là.
Donc effectivement, il allait la voir. Mais ouais, du coup, c'est lui, il a buté ce chien. Et je te jure que cette fois, je me suis dit, ben oui. Il a fait semblant quand il y avait un zoom sur Lorraine et tout ça, comme par hasard. Mais c'est pas logique, ça s'est passé en 5 secondes, frère. Ça, par contre, vraiment, c'est... Et ça se voyait qu'il avait beaucoup à se reprocher. Et Mskin, le vieux, là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Tu reviens, tu butes ton pote. Chien! T'es vraiment un chien! Je dirais même t'es un hamar! Je dirais même t'es un kul! Un khenzir! Un gens! Yo, j'ai loué! Pardon, c'est toutes les insultes qui sont venues en tête. Non mais c'est vrai que ça m'énerve, ça. Hein? Ah ben oui, j'ai oublié qu'il a buté. Ben oui, c'est vrai. Ah, il était venu chercher un carnet avec quoi dedans? C'était quoi? C'était des preuves, genre? C'était des appartements sur Marble Street ou je sais pas quoi? Mais on est d'accord, il est couvert par le flic, non? Le flic, il est au courant. Ils sont potes, mais c'est qui? C'est qui Blake pour lui? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre son lien avec lui, genre c'est juste des très bons amis comme ça. Parce qu'en fait, le pire, c'est quand il disait « Alors, t'es sur quelque chose en ce moment ?» Il lui dit « Rien de concret, mais j'y réfléchis, je sais pas quoi, je te tiens au courant. » Mais ça veut dire qu'il lui dit « Alors, tu fais des dingueries en ce moment ou c'est quoi ?» Ça veut dire, pour moi, il est au courant. Ça, c'est ce que moi, j'en ai tiré. Après, vous me dites. Pourvu qu'il ne soit pas chez lui. Mais attends, elle a vraiment trouvé l'appart? Je me souviens pas de ça, moi. Très sérieusement, je me rappelle pas de ça. Oh, papa. C'est Mrs. Good Vibes qui rentre chez ta grand-maman. Merde. Là, on va se faire choper si c'est comme ça, là. On va ouvrir la porte, on va dire, oui, excusez-moi, j'ai... Parce que j'ai vu que votre serrure était bloquée, c'était pour vous rendre service, monsieur. C'est vraiment pour ça, hein. Tout est dans le doigté. L'appartement du tueur aux origami. Il y a peut-être un indice de l'endroit où il a enfermé Sean Mars. Mais t'inquiète, il est déjà sur le coup, le frérot. Enfin, oh non, il n'est pas sur le coup, en vérité. En fait, l'enquêteur, il sait où il habite, plus ou moins, je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avouer où il est, tu vois. Un an tiré ici. Attends. He's an asthmatic man. He's also an alcoholic man. Je vais fouiller pièce par pièce. Il y a forcément un indice quelque part. C'est de là que vient cette odeur de brûlé. Des preuves qui sont parties en fumée. Mais là, ça va se taper. Non? Un uniforme de flic. Voilà pourquoi les enfants le suivaient sans histoire. Il se faisait passer pour un policier. Mais du coup, je comprends pas pourquoi elle a fait... Oui, c'est passé un truc bizarre. Pourquoi elle faisait la choquer quand la daronne, elle lui a dit qui c'était. Elle sait pas c'est qui normalement ce mec. Non? Parce qu'elle a fait... Oh là là, ça veut dire que... Et en fait, ça voulait te faire penser que c'était Ethan. Parce qu'en plus, elle partait énervée. Comme... Après, elle prenait sa moto pour partir d'hôpital. Mais c'est quoi ça? Je me souviens pas. C'est là où il fait pousser ses... Shelby peut revenir d'un moment à l'autre. Mais sérieusement, les Reyes. Sean Mars. Ce malade a installé une caméra pour regarder le gamin se noyer. C'est la pluie qui remplit le puits.
Merde, il y a un mot de passe. Origami. John. Peut-être John en vrai. Là j'ai mis Shepard, mais je crois que c'est John. Merde. Max. Les chiens. C'était ça. Oh. Max. Parce que le c'est nom un que gros John donnait chien. À ses chiens en papier quand il était petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop, 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 qu'est-ce que c'est que... Une adresse. L'endroit où se trouve le gosse. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. À moins que tu te prennes une patate. Pop, 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 pop. Une machine à écrire au son de la flûte, the beat, tout ça. Elle a bien dit, il n'y a pas une minute à perdre. Hein. Donc je sais pas qu'est-ce que tu fous là. Le rat, c'est le dernier. Hein. T'es mal à la taille du rats. T'es mal à la taille du rats. Oh non! Alors, vous avez découvert mon petit secret? Ah ouais! C'est terminé, Scott. Tous ces enfants tués uniquement pour trouver un père capable de sauver son fils. Taisez-vous! Vous ne savez rien. Taisez-vous! Ah ouais. Il reste encore un enfant. Il est peut-être encore temps de sauver ce gamin. Sauvez-le, Scott! Faites ce que votre père n'a pas su faire. Voilà. Entrez là-dedans. Hop, 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 hop. Mais ouais, j'ai des bugs bizarres là, c'est normal. Elle fait trop rire. Voilà, elle m'aura bien fait rire, Madison. Avec tous ces bruits. Alors, est-ce que tu peux péter ça avec quelque chose, un outil? Ah, la machine à écrire! Non, tu peux pas prendre la machine à écrire? Bon, là, je pensais. Bah, excuse-moi, écoute, c'est pas comme ça. Voilà. Oh non, le connard! Il a mis le feu! Elle peut die ici? C'est quoi ça? Non, pète là! La fumée, c'est ultra toxique, wesh. Allez, 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 allez. Je peux t'évanouir juste avec la fumée, là, et après, tu restes. Non, 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 vas-y, 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 vas-y. T'es une battante, t'es une battante, t'es une battante. You can do it. Please, don't stay here, it's dangerous. Allez, faufile-toi comme un ninja. La fenêtre. Putain, c'est trop petit, non? Oh! Merde, comment elle va faire? Ah bah oui, la porte. Oh, merde! Quoi? Elle va y aller? Ça me rappelle Beyond Two Souls. Allez, 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 Rabbi Mag! Dieu est avec toi! Ça prenne feu, on s'en bat les couilles. Toi, casse-toi d'ici. Il l'a laissée pour morte. C'est vraiment, mais c'est un chien. C'est trop haut. Si je saute, je vais me tuer. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Mais t'es à quel étage, là? Oh non! Mais c'est quoi la meilleure solution? Tu vois une meilleure solution, toi? Mourir! Oula! Ça, c'est quoi, ça? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Non, non, il prend feu, il prend feu! Non, 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 non! Non. Elle peut pas partir par là. Non. Ah.
Wallah, arrête. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il faut partir par là alors? Pourquoi faire? Je comprends pas. Mais pareil, non? Ça veut dire que c'est trop haut? C'est trop haut. Si je saute, je vais me tuer. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Ok, bah c'est quoi? J'espère qu'il n'y a vraiment pas un compteur. Hein. J'espère vraiment. Parce que sinon, là, je suis pas encore... voilà. S'il te plaît, meurs pas. Je t'en supplie, meurs pas. Ça me ferait chier, wesh. Oh merde, je me suis trompé. Fais chier. Allez. Voilà, voilà, voilà. C'est ça qu'il faut. C'est bien, c'est bien. La porte, c'est là, c'est là. Ahmar, il a fermé ce connard, il a fermé. Pète ça, pète ça. Pète ça. Non. Non, 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 non. On peut pas réessayer ici. Mais elle est prise au piège. Il doit y avoir une meilleure solution. C'est quoi la meilleure solution pour toi? Mais Lehre, elle va mourir. C'est quoi ça? Mais je vais câbler là. Oui, bien sûr, c'est le moment de... Ah, elle peut se cacher dans le frigo? Mais quoi? C'est une vraie solution, ça? Là, là, je vous parle sérieux, c'est une vraie solution? Je pensais pas un jour qu'on pouvait se mettre dans un frigo. Mais quoi? Quoi? Frère, ça a explosé! Elle s'est téléportée en bas. Écoute, c'est pas grave. Alors, tu vas être étourdi pendant une ou deux semaines, Skina. Comment ça, seul? Appeler Jayden, appeler Ethan. Je sais, oui, Sean. Il faut que je prévienne Ethan. Confirmé. Mais non, j'aurais dû appeler Jayden. Ethan, c'est Madison. Je sais où se trouve Sean. Il est au 852 Theodore Roosevelt Road. Il est encore vivant, tu peux encore le sauver. Je pars tout de suite. Fais attention, Ethan. Le tueur t'attend peut-être. Personne ne m'empêchera de sauver Sean. Oh merde, mais non. J'aurais pas dû, je crois que j'aurais dû appeler Jayden. Attends, Jayden. C'est l'inspecteur, non? Putain. Là, c'est comme si, en gros, on va le choper nous-mêmes, mais je sais pas si on va y arriver, parce que Jayden, il aurait pu venir avec plus de moyens, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, le petit gosse, Mskin. Oh là là. Putain, les gars, je sais pas si je refais pas ça. Hein. Si je referais pas le choix, là, en fait. Ouais, je sais pas. Parce que ça, techniquement, je crois que je l'ai déjà fait à l'ancienne. Ok, donc j'ai recommencé la scène. Et du coup, là, en fait, si j'ai bien compris, c'est toi qui choisis qui va confronter à la fin. Donc, ou bien elle a tout le mérite, en vrai.
ou bien le FBI, le frérot, ou bien Ethan. Mais Ethan, on l'a déjà fait à l'ancienne, il me semble, tu vois. Du coup, ouais, ce serait ou bien elle ou bien l'autre. Franchement, je te jure, les deux fins seront très stylées, je pense. Mais je ne sais pas si je ferai les deux. Mais j'avoue, Jaden, s'il le fait, bah, je le vois comme une vengeance envers l'autre, Blake, le salopard. Comme quoi, voilà, c'est lui le coupable et voilà le gosse, tu vois. Ça serait incroyable. Oh, ça serait un win. Oh là là, le win de fou. Mais à la fois, elle, bah, ça serait très crédible parce qu'elle s'est démenée pour le frérot, pour Ethan, pour le gosse, tu vois. Elle a fait des trucs de fou, tu vois. Mais elle en a trop fait. La vérité, elle en a déjà trop fait. Donc, vas-y, on je tente. Je sais où est Sean Mars. Jaden. Il faut que j'appelle ce type du FBI, Jaden. C'est le seul en qui j'ai confiance. Lui pourra le sauver. Vas-y. Norman Jaden. Je m'appelle Madison Page. On ne se connaît pas, je suis journaliste. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoutez-moi bien. Ethan Mars est innocent. Le tueur s'appelle Scott Shelby. Sean Mars se trouve au 852 Theodore Roosevelt Road. Vous avez bien noté? Je sais déjà tout ça, Madison. Je suis en route pour le hangar, je vous laisse. Ah. Ça veut dire dans tous les cas on se serait retrouvé là-bas, tu crois? Ah, mais je savais pas qu'il savait déjà tout ça. Mais wesh, je pensais qu'il allait à peine venir ici. Ah, mais ça veut dire que si il y va, bah on va finir. Non, me dis pas qu'il y aura Ethan, il est pas au courant normalement. Donc là ça devrait être Jaden logiquement. Là, selon l'appel qu'elle fait, logiquement. Non, mais si on retombe sur Ethan, là. Ah, il y va qu'on est. Oh, c'est stylé. Donc, c'est elle qu'on incarne au final ou... Bien. Chaude. Où est Sean? Mais c'est un piège, regarde comment il marche trop vite. Pourvu que j'arrive pas trop tard. Y'a personne. Sean? Sean, non, tiens bon. Je vais te sortir de là. Vous avez trouvé le gosse? Il est coincé dans le puits. Il va se noyer. Vite, aidez-moi à le sortir de là. Wesh. Il a débarqué au ralenti. Chien! Voilà, là c'est... Oh non, mais j'espère pas que ça implique que l'un d'entre nous va mourir. Mais pourquoi il a la rage comme ça? Ouais, s'il avait la haine à ce point, fais la misère au daron, à ton daron. Et encore, le mieux c'est de pardonner, mais bon... Apprends à vivre, connard. Oh là 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 là. Non mais elle va pas mourir quoi. Il a pris Wahed le coup. Mon ref, toi aussi t'es un vaillant, ok? Donc, tu vas prendre tes couilles. Oh merde. Tiens bon petit, je vais te sortir de là. Ouais, mais Madison, frère. On dirait un fou, skin. Voilà. Tire-lui une balle dans la tête. Non. Il va le sortir comme ça? Oui! Skin. Le petit Sean. Oh non. Quoi? Il respire plus. Il respire plus. Mais non. Quand même pas. On n'est pas arrivé trop tard. Là, elle s'est éclatée la jambe, ce qu'il a. Putain. Oh non. Oh, ça fait chier. J'ai pas envie qu'elle meure, frère. Oh non. J'ai peut-être pas pris le bon chemin. Je
sais rien, moi, où il faut partir. En plus, il a infinité de balles dans son truc, lui. Oh, la barre, la barre! Merde! Voilà, Ahmad. Non, non, non! La barre, la barre. Putain, c'est lui qui va prendre la barre. J'aurais dû prendre la barre. Ah, j'en ai marre de bombarder comme ça, wesh. Ça me crispe. Je te jure, c'est les pires QTO au monde. T'es là, t'es stressé. Wesh, l'échelle est longue. C'est pour quoi faire? C'est le moment de faire du bouche à bouche. Ou du massage cardiaque. Allez, respire. Respire. Putain. Allez. Ouf, il pue de la gueule. Wesh, il y a une cam, frère. Il est en train de filmer son acte héroïque. Ça, ça va te coûter une augmentation. Tu peux être fier de toi, Jayden. Mais seulement s'il vit. Ah oui, sinon, c'est Wahed le fail. Hop, 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 hop. Oh, Subhanallah, il revit. Tout va bien se passer. Est-ce que tu penses pas qu'il va, s'en vouloir, Mskin, le daron, de pas être venu? Mais il va en vouloir à Madison. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il y a moyen qu'il se vénère. Mais frère, c'est bon, on l'a fait, ta faim, frère, à l'ancienne. Casse pas la tête. Wesh, Mskina. T'en as pas marre d'être un tueur? Oh là, toute sa vie, c'est un tueur, lui. En plus, t'as rien à gagner. Voilà, je t'ai chopé. Mais ça va pas. L'un d'entre nous va tomber, ça sera pas moi. Moi, je te le dis, mon ref. Hop là, voilà. Hop. Oh non, sa jambe, Skina. Voilà. Ça y est, juste une balle, ça suffit, frère. Pas besoin de... Allez, t'es Chabad. Il est tombé comme une merde. Aïe, aïe, aïe. On l'a fait, on l'a fait. Ouais. Ah ouais. Et t'as pas intérêt à voler la meuf d'Ethan, toi, hein? Parce qu'on te connaît, ça veut dire t'es plutôt BG, tout ça. Toto, il est méchant. Il s'agit de Scott Shelby, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Mm-hmm. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. Mm-hmm. D'accord.
La gestue bizarre à la fin. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Disons que c'est un copain d'un copain qui m'a refilé le tuyau. S'il nous plaît, il est à nous. Ouais, je les ai pas trop ouverts comme ça, frère, ça y est. C'est trop. Papa ! Je dirais que c'est un local. Je crois que j'ai trouvé ma chambre. Alors ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est parfait. T'as vu, il s'est rasé, il est comme à l'ancienne, frère. Comme au premier jour, mais en mieux. Et en plus, il a une femme qu'il aime. On va arriver à oublier ce qui s'est passé. On va reprendre une vie normale. Et un jour, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Eh ouais. On a gagné le droit d'être heureux maintenant. Tous les trois. Ça manque un peu de subtilité, hein, vraiment. Ça manque un tout petit... mais genre... juste un petit peu de subtilité. Ça y est, nous pouvons être heureux. Il n'y aura plus de problèmes. Allez, rigole plus fort encore. L'invité d'aujourd'hui fait cette semaine la couverture de World Magazine et est acclamé par tout un pays comme un véritable héros. Ah. Il a accompli un exploit en arrêtant la sinistre série de meurtres perpétrés par celui qu'on appelait le tueur aux origamis et en sauvant la vie du petit Sean Mars. Sa détermination, son courage, son intelligence... Contrairement à Blake. ...force l'admiration. Norman Jayden. Voilà. Voilà. C'est tout, ouais, j'avais envie qu'il parle, qu'il fasse une locution. Mais wesh. Mais la drogue continue. Allez, lâche ça, lâche ça, lâche ça. Tu jettes dans la poubelle. Voilà, c'est bien, tu laisses tomber ça. Tu sais que c'est de la merde. T'as pas besoin de ça, frère. Oui! Ça y est, le changement, c'est aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Alors maintenant, il y a le bureau du capitaine. Hein. Blake, on l'entend moins. Hein. Petit Blake de merde. Hein. Ce petit merdeux qui nous aimait pas. Ah, t'as vu, là, il a un beau bureau, là. Il a un beau bureau. Wesh, ils lui ont donné un débarras à la base. Mettez plus de respect sur Jayden, s'il vous plaît. C'est quoi les autres enquêtes, là? C'est quoi ça? Wesh, c'est quoi ça? Il a passé trop de temps dedans, c'est... Vas-y, fais les enquêtes normalement, frère. Aussi, c'est bien. Oh non... Dis pas, ça va lui refaire donner envie de reprendre la truc. Bah ça y est, t'as plus besoin de ça. Tu fais comme ça. T'as les yeux ouverts. Frère, c'est quoi ça là? C'est World of Tanks là. C'est une sponsor. Bon là, ils ont fait une sponsor, ils nous ont pas dit. Oh, Mskina, elle doit être dégoûtée, elle. Non, mais elle est très intelligente. Tu as tué mon fils, Scott. Elle a tout de même pas capté ça. Mais elle allait le choper, ce chien. Mais comment as-tu pu oser me prendre dans tes bras? Mais je pense qu'elle avait capté avant, peut-être. Quelles que soient tes raisons. Rien n'excuse ce que tu as fait. J'ai cru aller dire « va te faire foutre ». Je ne ressens que du mépris envers toi. Ah ben j'ai oublié, il est mort, bah oui. Que du mépris. Polina, c'est pas cette fois-ci. Oh, c'est catastrophique, c'est-à-dire de mourir et de laisser derrière soi-même... mauvaises traces, enfin, des mauvaises choses à gâcher les vies de plein de gens et des gosses.
Et des familles, en fait, des familles entières. Ça finit sur ça ? Wouah ! Il aurait pu faire ça, frère ! God damn ! Je crois que j'ai fait ça à l'ancienne. Et franchement, c'était cool. C'était cool, mais honnêtement... S'il nous refont un jeu comme ça, là, ça peut être extraordinaire. Vraiment, ça peut être très très cool. En fait, un remake... Non, ça n'aurait aucun sens. Un remake, parce que, je sais pas, l'histoire, elle est pas assez riche. Quand tu vois Détroit, par exemple, quand même, c'est plus riche, c'est mieux fait, c'est... Wesh, il regarde, il fait rien. C'est une dinguerie. Bref, si vous avez kiffé le let's play... Attends, j'attends, parce qu'il y a peut-être un truc. Après, j'attends de voir. Du coup, ouais, j'attends de voir, parce que je me dis, on aura peut-être un truc après tout ça. Voilà. Elle a buté ces chiens là. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Beaucoup de choses. Et du coup, ce jeu est sorti, je vous le rappelle, en 2010. Voilà, moi j'ai fait ça. Après, il s'est explosé la gueule. Non mais, dans la vraie vie, tu fais ça. Ça y est, ça se finit là. Il finit en fauteuil roulant, c'est très très. Mais bon. Et la VO, ça aurait pu être pas mal aussi. En vrai, ça n'avait aucun intérêt de le laisser vivant ou pas, non ? Enfin, je veux dire, ça changeait rien, à part juste pour soulager ta conscience, te dire, bon... Ça va, on l'a pas buté, tu vois ce que je veux dire. Bon. Du coup, y a rien, frère ! C'est... Bah, j'attends encore, je vais voir. Alors ? Est-ce qu'il y aura quelque chose ou... À mon avis, il y aura peut-être rien. Parce que ça, c'est plus un truc de la culture récente, même après les films. Voilà ! C'est souvent après les films. Après, oh, il y a un truc. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Bref, j'espère que vous avez kiffé le let's play. Tirez un petit commentaire. Surtout, voilà, si vous avez kiffé, suggérez-moi des jeux que vous voulez me voir faire. Voilà. Et je verrai. Franchement, je verrai. Je promets rien. Mais en tout cas, moi, j'aime bien, tu vois. Sauf cet épisode. Moi, j'avoue, j'ai menti juste sur ça. J'avais filmé 5 épisodes. Le 6e, je l'ai laissé pour après parce que... c'est comme ça. C'est selon mon organisation, frère. Ne m'en veux pas. Mais ce qui est bien avec ce genre de démarche, c'est qu'après, je suis sûr que je le fais. Je prends mon kiff. Je m'en bats les steaks, les stats, les je sais pas quoi, les chiffres, les pas chiffres. J'ai pris mon plaisir. J'espère que ceux qui ont regardé, eux aussi. Et c'est ce qui compte. Des fois, il faut savoir se faire plaisir. Et je te jure, c'est rare. C'est très rare que je fasse ça. Et voilà. Dans tous les cas, prenez soin de vous dire une vidéo. Peace. Et ouais.